heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure, trois jours durant, s'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur, à la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop. Autrefois le peuple était réduit à l'esclavage, il travaillait le jour et la nuit comme un sauvage. Heureusement qu'ils viennent d'obtenir des avantages, ils ne songent plus qu'à ses loisirs et qu'à ses plaisirs. La semaine de 40 heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure, trois jours durant, s'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur, à la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop. Le charcutier ferme trois jours au moins, et son excuse, c'est faire l'andouille au bistrot du coin, il en abuse. Le coiffeur ferme le dimanche matin et se refuse à nous raser les poils clandestins qu'on a dans la main. La semaine de 40 heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure trois jours durant, s'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur, à la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop. C'est encore 39 de trop. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, et 15 jours de congés payés pour tout le monde.